Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle séance de gym douce. On commence, les pieds largeur du bassin. Répartissez bien le poids du corps sur l'ensemble du pied. Lâchez bien vos épaules, essayez de gainer légèrement votre ventre, étirez la taille, allongez la nuque et surtout détendez le haut du corps avec les épaules détendues. Allez, on enchaîne tout de suite avec la tête, des grands cercles. Vous pouvez fermer les yeux pour plus de sensations, pour sentir ce qui se passe, quel muscle s'étire. Essayez de vous concentrer sur l'abandon total des épaules. Inspirez tranquillement. Dernier cercle. Alors, on poursuit dans l'autre sens. Enchaînez tout de suite. Passez bien oreilles, épaules, dans une recherche d'étirement de la nuque. Et reviens au centre. Bien. Petit cercle d'épaules. On en fait 8 dans un sens, 8 dans l'autre. 3. Laissez les coudes assez libres. 5. 6, 7, 8, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien, un petit échauffement dynamique. Donc, je vous propose la chose suivante, de monter le genou gauche si vous êtes en miroir avec moi, avec le bras donc droit opposé. J'espère que vous me voyez correctement. Ici, donc, vous êtes sur un rapprochement genou-poitrine, plus possible, et un allongement, d'accord, si possible, de la partie opposée. Et on enchaîne. Donc, ça va faire passage côté. Et flexion dans les jambes lorsque vous relâchez. Et tire allongeant le ventre. Et repasse. Et on essaye d'enchaîner un petit peu plus vite. Je compte maintenant jusqu'à 8. Alors, 1. Suspend 2. Étire 3. 4. Fléchis. 5. 6. 7. 8. Bien, on enchaîne avec un transfert sur le côté. Vous allez pousser le poids du corps, poser le poids du corps sur la jambe gauche. Ouvrez ici le bras. Et lorsque vous allez transférer le poids, vous placez le bras en opposition. Et là, vous cherchez un étirement sur tout le côté de la pointe de pied de votre jambe gauche jusqu'au bras. Et on repart. Donc, le buste est droit. Le buste est penché. Le buste est droit. Restez bien gainé. Et je vais chercher plus d'étirement. Et c'est parti. 1. 2. 3, rebondis. 4, 5, restez visage face. 6, 7 et 8. Bien, ça doit étirer un petit peu des deux côtés. On fait la même chose de l'autre côté. Flexion sur la jambe droite pour vous avec le genou bien orienté au-dessus de vos orteils. Grandissez-vous, rentrez le ventre. Doucement ici, transfert du poids du corps. Passage du bras par en bas pour aller trouver une grande diagonale de la main jusqu'au pied. Repasse, gardez le dos bien étiré dans l'axe vertical. Et revenez ici. Ok, on est parti. Placez-vous sur le long. Et c'est parti. 1. Étire. 2. Fléchis au passage. 3. Fléchis, étire. 4. 5. Gardez le dos droit. 6. 7. Et 8. Bien. Ok, un petit peu d'étirement latéraux. Cette fois-ci, prenez, attrapez le genou avec la même main, la main du même côté, et on va essayer de tirer le buste sur
le côté, côté genou fléchi. Et on remonte, on repart. Ici, on essaie d'amener l'étirement sans tomber, bien sûr, ici. Donc, il faut absolument gainer au niveau des abdos. Encore une fois. Lentement. Vous pouvez fléchir pour transférer. On essaie de faire plus vite. Allez, assez instable. On essaye, donc soyez bien vigilants. Restez gainés au niveau du ventre. On y va. C'est parti, genou gauche pour vous et montez, tire. Et 1, 2, 3, 4, main flex, 5, 6, 7, 8, et relâchez. Bien, super, on enchaîne avec une histoire de dos, haut du dos. Omoplate, épaule. Je vous montre une fois. Il s'agit ici de venir envelopper et ouvrir l'épaule. De face, ça donne la chose suivante. Je vais venir commencer déjà à positionner vos paumes de main face plafond. Je vais enrouler la tête, enrouler les épaules, ouvrir les omoplates et aller chercher une projection paume de main vers le plafond. Les jambes se fléchissent à ce moment-là. Je repousse le sol, les jambes se tendent pendant que les bras se réouvrent, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'ouvre. Je rentre le ventre pour aller trouver une ouverture au niveau du plexus solaire et des bras. De profil, ça donnera la chose suivante. Ne cherchez pas à descendre, à casser le buste, restez haut. Enveloppez-vous, enveloppez un ballon et inspire. Et initiez le mouvement avec les mains, les coudes, les épaules. Et remontez. Ouvrez-vous. Ouvrez tout en rentrant bien le ventre. Contrôlez la position du bas du dos. Rentrez le ventre. Repoussez les épines dorsales et revenez. Ouvrez bien les épaules, projetez les paumes de main. Dernière fois. Et relâchez. Bien. On enchaîne avec les enroulés. Ici, lorsque vous serez en bas, on essaiera de tirer le dos, on essaiera de relâcher le plus possible, on attrapera un beau, gros bouquet de fleurs virtuelles, on viendra dérouler et puis finir le mouvement par une demi-pointe. Je le fais bien sûr avec vous, légèrement de profil pour que vous voyez bien l'enchaînement. On est parti, positionnez-vous, les pieds largeur du bassin. Ça commence donc par un enroulé tête. Flexion des jambes. Laissez le nombril se rapprocher le plus possible de la colonne vertébrale pendant toute la descente. Lâchez bien la tête, les épaules. Vos mains touchent le sol. On essaye de rapprocher les côtes des cuisses en ouvrant bien les fesses vers le plafond. À partir de ce relâcher et de cette petite pression côte-cuisse, on va tenter un allongement de la colonne vertébrale. On étire le dos le plus possible dans une diagonale dos plat. Projetez bien la tête dans le prolongement de votre dos. Et à nouveau, abandonnez épaule, tête. Repoussez le sol ici avec les deux pieds bien ancrés dans le sol pour aller trouver un plan horizontal au niveau de votre dos. Rentrez bien le ventre, étirez bien sûr la colonne avec un axe donné par la tête. Et je viens chercher le gros bouquet de fleurs en relâchant le buste. Les deux mains viennent trouver les omoplates, les deux bras sont croisés. Je redéroule le dos, lâchez vos épaules vers le bas et ouvrez les coudes, déployez vos bras. Je reviens face à vous pour vous montrer l'étirement à suivre. Vous êtes ici avec un bras qui s'étire vers le bas, l'autre vers le haut. Projetez le visage vers le parquet, longue taille, longue nuque, montez sur demi-pointe, repoussez le sol.
et remontez toujours sur demi-pointe et relâchez. On fait la même chose encore une fois. Enroule tête. Réagissez bien. Puis les côtes cherchent les cuisses. La tête abandonnée, on essaie tout de même d'étirer le dos en rapprochant la tête du sol. Puis trouvez une diagonale si possible. Ouvrez les hanches. Ouvrez plutôt les fesses que les hanches. D'ailleurs, gardez une bonne flexion de hanche. Étirez la nuque et relâchez. Donc là, parallèle au sol, parallèle au plafond, on étire, on allonge, les deux bras s'ouvrent pour bien ouvrir la ligne des épaules. Et venez chercher, cueillir vos fleurs. Ramenez les mains sur les omoplates. Rentrez le ventre, repoussez les épines dorsales, lombaires, cervicales vers l'arrière. Ouverture des bras par les coudes. Et descente de l'autre bras cette fois-ci pour aller chercher sur demi-pointe un équilibre avec une taille, une nuque très étirée et un regard projeté vers le sol. Remontez. Et ici. Bien. On enchaîne une petite série de montées sur demi-pointe avec les bras. Donc ici, lorsque vous montez sur demi-pointe, les bras vont venir se toucher par les mains, d'accord ? Orientez vos paumes de main vers le plafond. On est parti ensemble, on en fait, allez, une petite vingtaine, montez le plus haut possible sur vos demi-pointes. Allez, un petit peu dynamique, c'est parti. Et 1, 2, on n'a qu'à fléchir sur le retour. 3, fléchis, demi-pointe, 4, et 5, serrez le ventre. 6, 7, 8, repoussez bien. Restez équilibré. Et 10. Allez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repoussez ça. Allez, 8. Attention, restez équilibré sur le 10. Et 10. Restez, restez, restez. Descendez bien vos épaules, rentrez le ventre. Regardez loin devant vous. Et ouvrez tranquillement et retrouvez. Bien. Un petit exercice de renforcement des adducteurs, abducteurs, pour commencer. Donc les muscles qui sont situés à l'extérieur de la cuisse ainsi que le moyen fessier. L'objectif, c'est donc la position départ. Fléchir sur la jambe de terre, celle qui va vous servir d'appui. Rentrez le ventre, gardez le buste bien droit. Les bras viennent se poser sur l'air, l'épaule descendue. Ici, nous allons chercher des petits battements en fermeture de hanche, abduction de la hanche, fermeture, donc pas d'ouverture du genou sur le côté. On garde bien le genou face à votre écran. Ok, on est parti. On va essayer d'en faire 20. Allez, courage. On va faire, 20, mais 10 battements, suivis de 5 petits cercles dans un sens et 5 dans l'autre, et tout ça sans petit repos. C'est parti, courage. Fléchissez bien sur votre jambe de tête. Allez, go. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerclez 1, 2, 3, 4, 5. Tout petit, bien sûr. 2, 3, 4, 5. Alors, en plus de l'abducteur qui travaille de cette jambe libre qui s'élève, vous avez bien sûr toute la jambe de terre qui travaille énormément, du mollet jusqu'à la cuisse. Et bien, l'autre côté, c'est parti. Installez-vous sur votre jambe. Fléchissez bien votre genou. Je vais vous le présenter ici, comme ça, vous verrez bien. Descendez bien vos épaules. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits, 7, 8, 9, 10 petits. Cercle 1. 2, 3, 4, 5, changez de sens, 1, 2, 3, 4, 5, bravo, lâchez bien, lâchez les hanches, lâchez les genoux, des petits rebonds, relâchant, on n'en a pas fini avec cet échauffement un petit peu dynamique, ici l'objectif est de venir rapprocher le genou
un petit peu de la poitrine avec les deux mains qui viennent ici le trouver. Détirez la jambe derrière. Donc, vous avez ici travaillé le grand fessier. Gardez un travail important de la jambe de terre, jambe fléchie, avec ici une bonne flexion, ici en permanence. Ok, on essaie d'en faire 10 de chaque côté, ça sera déjà bien. Donc, beau gainage, bien sûr, pour maintenir le bas du dos correctement placé. Toujours cette envie d'allonger la taille et de chercher le plus grand étirement possible de la nuque. Allez, je me positionne ici, vous verrez mieux. On est parti, les bras ici positionnés dans le prolongement de votre dos. Courage. Et 1, 2, 3. Vous pouvez positionner pied flex. 4, 5. Entrez le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. Repos, changez de sens. Lâchez, positionnez-vous sur votre jambe. Projetez bien vos bras. Loin le regard. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, super. Relâchez bien. Allez, au sol. Je vais vous montrer une fois avant que vous le fassiez peut-être. Ici, l'objectif, c'est d'enrouler. Je le fais beaucoup plus rapidement pour que vous voyez bien. Je place de façon. Voilà ce que vous voyez. Une fois que je suis arrivée en gainage, l'objectif est de venir fléchir ici, genou au ras du sol, fesses qui descendent et me replacer. Donc, c'est très fatigant parce que c'est un gainage, bien sûr, dynamique. En plus, quand même, sur le retour fesses, essayez de faire ce que vous pouvez. On va en faire uniquement 5. Et puis, arrêtez-vous, bien sûr, avant si vous trouvez ça trop compliqué. On repart donc. Je vous rejoins sur vos deux pieds. Et on démarre déjà par un bel enroulé. On se positionne les deux pieds parallèles, les épaules basses, on enroule la tête. Marchez. Allez, essayez de vous positionner déjà de façon à ne pas avoir mal au poignet. Donc, n'hésitez pas à avancer légèrement les bras pour ne pas avoir trop ici les poignets sous le buste. Donc, légèrement devant les épaules. On est gainé. On y va, serrez bien le ventre. Repoussez. Expirez. Essayez de positionner la tête entre vos bras. Descendez le plus possible les tibias à fleur de sol, les genoux également. Et reviens. Reprends ton gainage, ventre rentré. Étire la taille, étire la nuque. Et deux. Reviens. Inspire pour expirer. 3 et reviens. Allez, plus que de courage. Expire. 4. Reviens. Le petit dernier. Et 5. Et vous déposez doucement vos genoux pour ici venir vous détendre. Venez poser les coudes très près de vos genoux, abandonnez bien les épaules, la tête, lâchez les fessiers, les fesses sur vos talons. Et on va venir doucement dérouler le dos. Bien, allez, petite séance d'étirement, petite série d'étirements. Je vous propose de commencer donc sur le dos. Vous allez pouvoir me suivre, hein, j'espère, en vous déposant correctement au sol pour pouvoir apercevoir votre caméra. L'objectif, dans un premier temps, est de venir ici assouplir les hanches. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir chercher les genoux, toujours ces côtes qui se déplacent pour aller chercher une dépose loin du bassin, un bel étirement de la nuque. Et ici, tout simplement, vous allez ouvrir, donner de l'amplitude aux hanches en ramenant les deux genoux, en les ouvrant. C'est les mains qui vraiment initient le mouvement. Ce ne sont pas les genoux qui décident de s'ouvrir et de se fermer. C'est bien les mains, les bras
qui viennent réaliser ces cercles. Attention ici, l'objectif est de rester le dos tout à fait naturel, donc pas d'accentuation, la courbure lombaire. Lorsque les genoux s'éloignent de vous, restez vigilant sur le centre du corps qui doit rester bien présent, légère contraction abdominale. On change de sens, vous avez les bras tendus ici avec les genoux éloignés. Réouvrez-les à l'aide des mains, rapprochez-les, essayez de revenir près des côtes. Puis les mains repoussent les genoux derrière, devant, pardon, et reviens. Respirez tranquillement. Petit travail donc des hanches. Encore deux cercles. Et le dernier. Bien. Déposez vos deux pieds très lentement au sol. Puis laissez les genoux s'ouvrir. Vos deux pieds donc sont maintenant collés l'un contre l'autre. Les genoux s'ouvrent. Essayez vraiment de ne pas accentuer la courbure de votre bas du dos. Restez bien gainé au niveau du transverse. À partir de cette position, vous allez ramener le genou gauche vers d'abord l'aisselle. Alors, le gauche, si c'est le genou gauche pour vous, ça sera l'aisselle gauche. Et puis, vous allez envelopper ici le genou, le faire passer de l'autre côté pour chercher un début de torsion. L'objectif est surtout ici de ne pas aller trop loin dans un premier temps. En fonction de votre souplesse, eh bien, vous irez plus ou moins bas. Mais ce qu'il faut absolument garder, conserver, c'est bien la détente du haut du dos, omoplate, épaules et bras dans le sol. Laissez le poids de cette jambe faire travailler ici l'étirement des obliques et du grand dorsal. Puis, ramenez ce même genou vers l'aisselle opposée. Passez la cuisse le plus près possible des côtes. Ramenez l'appui des deux fessiers dans le sol. Puis, redescendez votre pied pour retrouver le contact avec l'autre. Même chose de l'autre côté. L'autre genou s'élève vers l'aisselle, vers le bras du même côté. Puis, fermeture, lente. Progressivement, donc, le genou opposé va trouver contact avec le sol pendant que la jambe libre poursuit son chemin pour aller trouver une orientation opposée. Gardez le visage face plafond pour l'instant. Gardez bien l'ancrage des deux épaules. Laissez le poids de la jambe faire le travail. Et on y va sur retour genou et aisselle. Rapprochez cuisse côte. Progressivement, vous sentez que le bassin retrouve pleinement le sol. Gardez une proximité cuisse côte même dans l'ouverture de la hanche. Et rapprochez le pied de l'autre. Bien. Laissez maintenant le genou droit se rapprocher de la main du genou. Pareil de l'autre côté. Essayez de juste donner un petit peu de poids à l'intérieur des genoux pour travailler l'ouverture des hanches. Puis ramenez vos deux genoux vers les aisselles. Puis fermeture complète des deux cuisses sur les côtes. Réouverture des deux bras sur le côté. Paume de main vers le plafond. On y va pour la descente. Je vais le mettre comme ceci. Peut-être que vous verrez mieux la descente. Des deux genoux sur la droite pour vous. Peut-être, ou sous la gauche, essayez. Voilà, je vais vous donner des consignes pour essayer de le faire, quel que soit le côté que vous avez choisi. Toujours le même principe au niveau du corps. Puis, cherchons à détourner la tête en même temps que le talon de la jambe qui se trouve dessus s'ouvre et se projette le plus loin possible de votre nez.
Mes talons opposés et je ramène les orteils de cette jambe qui s'étire, qui s'allonge vers les genoux. Et retour jambes et visage en même temps. Rien ne se passe dans la jambe qui reste en contact avec le sol pour l'instant. Essayez de ramener cette jambe le plus possible dans le plan vertical. Puis, alors qu'elle va continuer son ouverture, ramenez en même temps le pied de la jambe qui est fléchi sous le fessier. On va comme ça redéposer lentement le bassin dans le sol de façon très maîtrisée. Ne vous laissez pas embarquer par le poids de votre jambe, réagissez grâce à la contraction des obliques internes. Fermeture des deux bras et des deux jambes avec un pied qui reste dans le sol et l'autre qui s'étire vers le plafond par le talon. À partir de là, ramenez votre genou de la jambe qui est fléchie vers vous et attrapez ce genou. Je vais me positionner lentement comme ceci pour que vous me voyez bien. La suite du mouvement est le suivant. Et la suivante, ça sera mieux. Vous allez lentement rapprocher la jambe tendue du sol. Travaillez ici donc le psoas, qui est un muscle important pour les problèmes de dos. Il va venir vraiment améliorer les choses. Et je ramène. Vous n'êtes pas obligé de plaquer complètement le genou. Ici, vous pouvez l'avoir un peu plus soulevé. Je vous lâche réfléchir. Mais ce qui est important ici, c'est de trouver un bel allongement sur l'expiration, contraction abdominale, en même temps que vous renforcez le quadriceps et le psoas. Et je reviens. Sur une nouvelle expire. J'aime bien faire une expiration sur chaque année, chaque retour. On va inspirer en bas. On est parti. Inspire ici. Expire. Allongez la colonne, étirez la nuque. Restez à fleur de sol. Inspirez dans l'immobilité. Et remonte sur l'expire. Toujours la dynamique abdominaux. C'est eux qui vont vous permettre de revenir. Une dernière fois, on aura fait 4 fois. Étirez, étirez, étirez par le talon. Inspirez. Attention, le placement du dos, soyez vigilant sur les abdos. Et ok. Et revenez. Bien, on enchaîne maintenant notre torsion de l'autre côté avant de revenir à cet exercice. Donc, descendez lentement. Les deux genoux sur le côté. Relâchez bien le poids. N'oubliez pas de déposer également les pieds, surtout le pied de la jambe qui est dessous. Puis, on déploie la jambe par le talon, les orteils vers le genou et le visage en opposition qui vient trouver un point loin dans le prolongement du bras. Retour de la jambe la plus tendue possible vers le plafond par le talon. Retour du visage. Redéployez dans le plan vertical votre jambe. Puis, poursuivez tout en laissant votre pied de la jambe fléchie revenir sous le fessier. Ça va vous permettre de bien redéposer votre bassin. La jambe poursuit son ouverture jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ouvrir sans risquer une bascule du bassin. Puis fermeture, simultanée, bras-jambe. Bien, ne bougez pas, je vous rejoins ici pour la suite du mouvement. Ramenez le genou de la jambe fléchie vers vous, attrapez-le avec vos deux mains. On est parti, grande inspiration. Expiration. Restez à fleur de sol. Inspire. Remonte. On le fait 4 fois au total. Inspire. Expire. Le psoas.
Ventre rentré, fin d'expiration, j'inspire. Trouvez une belle opposition, tête, talon, et je remonte le plus lentement possible par la force des abdos. Inspire. Et remonte après avoir inspiré. Je ne sais plus si j'en suis à 3 ou à 4. Allez, une petite dernière. La jambe tendue si vous le pouvez. Et voilà, la dernière. Expirez bien. Inspire. Expirez. Et revenez. Bien. On essaie de sortir les deux talons ensemble. Les deux bras viennent se projeter dans le plan vertical. Ainsi que les deux jambes le plus possible tendues. Ouverture des deux jambes. Ouvrez bien. Lâchez vos deux bras dans le sol. Et remontez doucement pour travailler les adducteurs. Et fléchissez les jambes. Talons fesses, pieds sols. À partir de là, pour remonter, on va positionner les deux paumes de main dans le sol. Projeter une jambe en ouvrant bien ici. Le pied flex. Poussez la tête hors du sol. Sortez la tête hors du sol. Poussez avec vos deux mains. Et remontez grâce aux abdos. Et revenez ici. Bien. Avant de poursuivre sur un petit travail des abdos obliques, on va juste se servir de tout ce travail de torsion au sol pour essayer de le reproduire un petit peu sur une position assise. On y va. Vous avez les deux jambes parallèles, comme ceci. Les deux jambes sont toujours bien écartées de la largeur de vos hanches. On va ouvrir les deux bras, essayer de trouver une belle hauteur dans le dos et expire. Projetez, projetez, projetez. Descendez votre main au sol. Rapprochez vos pieds et on enchaîne avec la projection des genoux vers l'avant. Les deux talons hors du sol, le visage projeté sur le côté avec surtout ce bras qui s'étire loin derrière. Et relâchez doucement. Le bras revient, les deux talons se repose, gardez bien vos deux genoux dans l'axe et redéposez vos pieds un petit peu plus loin pour vous donner plus de liberté de vous installer dans un dos plat. On fait la même chose de l'autre côté. Grandissez-vous dans un premier temps, cherchez le plafond avec le sommet de la tête. Ouverture, ce sont vraiment les épaules qui cherchent à s'ouvrir. Les côtes également, déposez votre main, bras tendus. Ramenez vos deux pieds, largeur des hanches. Poussez les genoux vers l'avant, rentrez le ventre. Passez sur demi-pointe, essayez de tenir l'équilibre. Redescendez votre bras, les talons dans le sol, les fessiers. Et nous y sommes. Bien, allez, un petit travail sur les obliques. Si vous avez un petit tapis ou un petit coussin comme moi, c'est pas mal. Alors, l'idée ici, c'est de venir travailler donc les muscles obliques qui sont situés donc ici. Je voudrais que vous soyez bien à l'aise, surtout dans cette position de départ. Donc, je vais proposer plusieurs niveaux parce que le niveau final n'est pas très facile. Il s'agit ici de venir déployer les jambes, de les ramener en ayant les jambes donc hors du sol. Donc, pour ceux pour qui c'est trop compliqué, vous pouvez ici déposer une jambe. Bien sûr, le travail est beaucoup moins important. Ou sinon, vous pouvez lever les deux genoux, mais n'étirer, n'allonger qu'une seule jambe. C'est une solution qui me paraît meilleure que celle-ci, qui est vraiment très basique. Donc ici, pour tout le monde, on essaye quand même d'avoir les deux pieds au-dessus du sol, les deux genoux au-dessus du sol. Et puis, soit vous étirez une seule jambe, soit vous essayez les deux. Vous pouvez déposer votre main derrière pour
stabiliser un petit peu votre équilibre. Allez, courage, ce n'est pas si facile que ça. Il faut bien respirer, vous êtes sur votre avant-bras, mais vous n'êtes bien sûr pas affaissé. Vous essayez de repousser bien ici la tête loin de l'épaule. On est parti, allez, vite seulement. Je propose les deux solutions. Je commence par la main ici pour ce côté-là. C'est parti. Et 1, 2, courage. 3, 4, 5, 6. Allez, plus que dos. 7, 8. Et fermez. Repoussez, passez la main et revenez ici. Vous déposez dans la position de l'enfant. Sans étirement bras, on abandonne le poids. Déroulez doucement. Rapprochez les fesses des talons. Rentrez le ventre. Lâchez vos épaules. Et retrouvez la verticale. Même chose de l'autre côté. Installez votre petit coussin sous le fessier. On dépose le coude au sol. On a donc les pieds et les genoux au-dessus du sol. Et ici, il s'agit de venir déployer donc les deux jambes. Si vous avez besoin d'aide, mettez votre main derrière votre bras tendu. Ça vous aide à vous équilibrer. Pour un niveau supérieur, on peut positionner le bras ici. Je le fais cette fois-ci. C'est parti. Courage. Expire. 1, 2, 3. Allez, courage. 4, 5, 6. La projection des pieds se fait devant. 7 légèrement. Et 8. Et repos. Et grand bras. Ouais, et reviens. Bien. Ici, pour aller plus loin dans cet étirement, je voudrais vous proposer ici d'aller croiser. Donc, vous démarrez comme si vous installiez dans la position de l'enfant, sauf que vous allez allonger un bras et l'autre vient ici se positionner perpendiculairement à l'autre en essayant de placer paume de main vers le plafond. La tête regarde finalement sous le bras en venant trouver un point de contact avec le sol si possible. Les fesses restent le plus bas possible vers les talons. Cherchez une opposition, bras qui s'étire vers l'avant et l'autre sur le côté. Vous sentez normalement un étirement important au niveau de l'omoplate, de tous les muscles qui sont reliés à cette os, à cette articulation de l'épaule. Respirez lentement. Bien, changeons de sens, de côté. Installez l'autre bras. Tranquillement, prenez le temps de tirer ce bras avant d'aller chercher contact avec la tempe. Faites attention à la position du bassin, essayez de descendre. Allez, le bassin vers les pieds. Étirez, étirez de part et d'autre. Et revenez lentement. Trouvez la position du sphinx. Essayez vraiment ici de trouver ce dos plat avec une accroche dans le sol par les avant-bras et par les paumes de main. Ça va nous permettre de laisser les épaules basses et d'aller chercher un étirement de la nuque. Gardez les fesses aussi basses. Et on poursuit avec un petit exercice sur le ventre. Donc, installez-vous ici confortablement, j'allais dire, mais ce n'est pas tout à fait confortable, ce n'est pas tout à fait le mot. Et ici, l'objectif est de venir monter le haut du dos, le signe donc en yoga. Vous pouvez conserver les deux pieds très collés, ça nécessite d'être très très vigilant sur la position des abdos et le contrôle aussi des fessiers. Un petit peu plus facile avec une légère ouverture des jambes. Bien, donc chacun fait comme il peut ici. Vous allez chercher à expirer sur la montée tête-bras. Puis, on tente une petite inspire avant de redescendre pour aller chercher un peu plus haut. Donc, la première
Le premier temps, une grande expire pour aller vraiment placer le nombril vers la colonne vertébrale et puis un allongement à l'étirement de la colonne vertébrale. Et puis, la petite inspiration finale pour aller chercher une petite ouverture très haute supplémentaire au niveau des épaules. On essaye ça ensemble. Inspire au sol pour l'instant. Rien ne se passe. Et contracte fessier, périnée, ventre, montez. Allongez la colonne. Petite inspire, toute petite. Petit rebond en quelque sorte vers le haut. Avant de chercher un retour, mais très lent et dans une recherche permanente d'étirement. Encore une fois, inspirez, rien ne se passe. Expiration, contrôle périnéal, abdominal. Allongez la taille, étirez la nuque, montez les coudes sur le côté. Inspire. Allongez, tire toujours avec un nombril qui revient le plus possible vers la colonne. Dernière fois. Et ceux qui auront envie de poursuivre un petit peu plus loin, juste ici, je vous propose 4 fois la chose suivante. Donc, toujours sur l'expire. Inspirez. Expirez, monte. Déployez vos bras devant, toujours sur l'expire. Inspire, poussez. Et retour des bras sur l'expire, relâchez sur l'inspire. On reprend, expire. Les coudes descendent, puis les bras s'ouvrent toujours sur l'expire. Inspire. Monte un petit peu plus haut, expiration. Et relâchez sur l'inspire. La toute dernière. Allez, expire. Super. Les coudes près de vos côtes ici, les mains vers l'avant. Je m'étire du sol en essayant de rentrer le ventre. Je travaille les bras et je ramène doucement. J'espère que ça glisse chez vous un petit peu comme moi pour pouvoir ramener les genoux. Sinon, vous marchez bien sûr avec les genoux pour venir vous redéployer. Ok. Allez. Le travail à suivre que je vous propose. Le chien tête en bas, je le fais donc une fois vite fait pour que vous sachiez ici à quoi consiste l'enchaînement. Mon bras donc fléchi, main tendue, jambes tendues, et puis on finira donc par des petits battements ici, jambes tendues. Donc on démarre ensemble en quadrupédie. Essayez d'avoir un dos donc, très plat. Le ventre rentré, les mains largeur de vos épaules, les genoux largeur de vos hanches. Orteils dans le sol. C'est parti avec la projection des fesses vers le plafond. Vous connaissez une bonne flexion dans les hanches avec un dos très dynamique, une ouverture des épaules. Projetez bien vos aisselles vers le sol. La tête entre les bras et une tête qui cherche à s'éloigner bien sûr des épaules. Les jambes sont très fléchies pour l'instant. Tantôt, un allongement progressif sur une expire, rentrez le ventre simultanément. On descend le plus possible les talons vers le sol. Ça tire très fort dans les ischio-jambiers et les mollets. C'est normal, c'est l'objectif. Cherchez un joli V à l'envers. Et flexion à nouveau. C'est un petit peu plus reposant, mais on reste quand même très dynamique au niveau de l'étirement du dos. Et les deux cette fois-ci, le dos s'étire, les jambes s'allongent, elles aussi, étirez, rentrez le ventre. Allez, encore deux fois ça, fléchir, les genoux vers le sol, ouverture des aisselles. Et allongez, expire, repoussez de façon très dynamique le sol avec vos deux bras. Et toute dernière, fléchis.
Gardez la tête dans l'axe. Et repoussez. Allez, placez votre pied ou gauche ou droit pour vous peut-être ici pour monter la jambe gauche et monter là le plus haut possible avec nos petits battements à venir. C'est parti. 1, 2, 3, courage. 4, on en fait 10. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ramenez le pied. On change de côté. Hop, je me retourne pour que vous voyez mieux. C'est parti, on repositionne le dos et déposez votre pied un peu plus au centre. Un prolongement des nombrils. On étire, on allonge la jambe et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et repos, genoux au sol. Et à nouveau, la position, mais cette fois-ci du chien, de l'enfant, pardon, avec les deux bras qui viennent derrière. Soufflez bien. Bien, déroulez le dos. Revenez vous asseoir sur vos fessiers. On essaye de trouver, on assiste toujours sur nos deux ischions, hein, la base de l'insiliaque. On essaie de se grandir, essayez de trouver juste une petite flexion dans les jambes. Pour ceux qui sont très souples, vous pouvez aller jusqu'à jambes tendues. Essayez de ne pas avoir les genoux trop proches de la poitrine. Vous allez monter les mains derrière la nuque. On va chercher à se grandir. Il y aura deux étapes à ce mouvement. La première est une ouverture arche du sternum vers le plafond. C'est tout petit. C'est tout petit. La tête n'est pas abandonnée. La tête s'étire, bien sûr. La nuque s'étire pour une projection de tête, la plus droite aussi des épaules. Puis je reviens me positionner dans le plan vertical. Et là, je viens m'enrouler au-dessus d'un volume qui serait ici. Donc, je repousse le dos vers l'arrière. La tête, elle s'étire vers l'avant. Puis, je viens plonger en essayant de déposer le plus près possible les côtes des cuisses. Je veux dire que le bassin, lui, cherche à s'étirer dans ma diagonale. J'essaie de repositionner le plus possible mon dos dans une belle diagonale, tout plat, avant de repartir dans un plan vertical. Ok, on est parti ensemble, pas si facile que ça. Un beau travail ici du haut du corps. Hein, essayez vraiment d'aller chercher ces deux étirements. Allez, on est parti, c'est un mouvement donc en continu. Placez vos mains, grandissez-vous, laissez les pieds comme vous voulez, soit dans le sol, soit sortis. Et inspiration, ouverture. Expire, revenez dans le plan vertical. Inspirez, rien ne se passe. Et ouverture du dos vers l'arrière alors que la tête, elle, s'enroule vers l'avant. Je m'enroule au-dessus de ce volume. Repoussez bien de part et d'autre. Et sur une nouvelle expire, on plonge avec le bassin, le bas du dos, lombaire. Il y en a 5 à essayer d'aligner. Puis les 12 vertèbres dorsales, les 7 cervicales. Trouvez cette ligne. Ouvrez bien vos coudes et remontez dans le plan vertical. On reprend, inspire. Ce n'est que le haut du dos qui s'ouvre ici. Restez très vigilant sur la position du bas du dos grâce à une contraction abdominale. Reviens sur l'expire. Puis inspire, avec l'enroulé, mais le dos qui cherche à s'étirer vers l'arrière, repousser, puis plonger, puis chercher côte, cuisse, aligner les vertèbres, ouvrez vos coudes,
Étirez la nuque dans le prolongement de votre dos. Remontez. Allez, toute dernière. C'est parti. Inspire. Descendez bien vos épaules. Expiration. Enroulez-vous au-dessus de ce fameux ballon. Et plongez. Et restez ici. Déployez vos bras dans le prolongement de votre dos. Étirez les bras, mais descendez bien sûr vos épaules. Et revenez. En venant ici, déposez les bras dans le plan. Et fermez. Bien. Ici, un petit étirement qui change avec une position en quatrième. Au niveau donc de vos fessiers, en fonction de la souplesse de vos hanches, vous allez pouvoir ou non déposer votre fesse. Peu importe, cherchez à être quand même pas trop mal dans votre position. À partir de là, l'objectif, c'est d'aller chercher un étirement latéral en se penchant du côté de la jambe donc, qui est fléchie, le pied près de la fesse. On y va ensemble. On va faire 4 étirements de chaque côté. Commencez par monter vos bras sur le côté. Inspirez. Expiration. Descendez le bras de la jambe, donc du pied-fesse, et étirez le plus possible en cherchant une épaule basse et une tête qui vient s'inscrire dans le prolongement de cette courbe. Fin de l'expire. Je repars. Expire. Grandissez-vous, cherchez bien sûr l'allongement. Ne rétrécissez pas trop non plus ici. Vous pouvez même repousser si vous avez peur de venir trop pincer les disques. Repoussez le sol avec le bras. Et deux. Troisième. Inspire et dernière. Ok, bien. Ramenez votre genou, passez de l'autre côté. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous êtes beaucoup plus souple d'un côté que de l'autre. Hein. On est parti au niveau de la souplesse des hanches. Hein. On remonte ici sur bras côté. Et inspire, expire. Encore deux. Et le dernier. Et je reviens. Bien. Allez, avant de terminer, un petit peu d'abdominaux. Oh, ici, on va beaucoup travailler le transverse. On va essayer d'aller chercher l'insertion du grand dorsal. Je vous montre ici de profil, ça donnera à nouveau les mains derrière la tête, les genoux au plafond, donc jambes fléchies, on cherche à déposer le plus loin possible nos omoplates du bassin. Sur l'expiration, je contracte le périnée, je rentre le ventre, j'allonge la colonne vertébrale jusqu'à sortir la tête du sol. Plaquez bien cette fois les lombaires dans le sol. Ne cherchez pas à garder là, la courbure du dos. On essaie de déposer les lombaires dans le sol. Et sur l'inspiration, on vient déposer les coudes. Allez, on y va, on le fait 8 fois. Ne plaquez pas le menton sur la poitrine. Essayez de garder une nuque très longue. 2. N'oubliez pas de contracter en 1 le périnée. 4.
ça commence à chauffer hein, au niveau du grand droit ici, normalement. Montez bien. Allez, plus que deux. 7. Et le dernier, 8. On finit juste ces abdominaux et bientôt la fin de cette séance avec nos petits obliques ici, qu'on n'oublie pas. Donc, on vient hop, glisser la main loin vers le bas et légèrement en ouverture. Et on essaie de garder bien évidemment le bassin face et ne bouge pas. Alors, on en fait 8 donc un petit peu plus rapidement. Donc, on commence par s'installer d'abord dans le sol avant de monter. Prenez une grande inspiration. Montez. Inspirez. Allez, c'est parti. 6 expirations. 6 mouvements sur une expiration et 3 sur une inspiration. Inspirez. 1, 2, 3. Expire sur 6. Inspire. Et dernier, inspire. 1, 2, 3, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et repos bien mérité. Bien les genoux sur la poitrine. Petite extension. Une toute dernière avec recherche de contact. Le plus près possible, du moins, orteil et bout des doigts, sans sortir les fesses du sol, puis fléchissez, et on revient hop, sur nos pieds en positionnant. Ici, les deux talons, hop, les deux genoux, étirez, puis ramenez les bras, et déroulez votre colonne vertébrale. Revenez doucement. Bien. On finit juste ici. Il est déjà là par 3 petites inspirations relâchées, sans balancer. Et je vous laisserai là. C'est parti. Avec une grande inspire. Allez, ouvrez bien la cage thoracique. Et redescend. Fléchissez. Et ouverture. Et le dos droit. Dernière fois. Et je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée en espérant vous retrouver bientôt. Au revoir.